Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Alice. Alice qui nous demande, faut-il partir dans l'improvisation du moment ou préparer en amont les étapes d'un tableau? Sujet très intéressant, question qu'on m'a souvent posée dans le cadre de la pratique de la peinture abstraite parce qu'effectivement, ça peut prêter à confusion. Certains se demandent, en voyant un tableau abstrait achevé, s'il y a eu vraiment une réflexion ou s'il y a eu, on va dire, un lâcher-prise total, sans phase de réflexion en amont, avec la créativité brute, on va dire, avec une action brute. Alors je pense qu'il y a plusieurs catégories d'artistes, puis il y a même plusieurs façons de faire. C'est un peu la force de la pratique de la peinture abstraite, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a plein de façons de faire, et c'est ce qui fait tout le charme de cette pratique-là. Vous allez avoir une catégorie d'artistes qui vont, par exemple, faire de l'action painting ou du speed painting, c'est-à-dire qui vont vraiment, sur l'instant, et assez vite, créer quelque chose d'instinctif. Et volontairement, ils vont utiliser justement ces méthodes, la vitesse, pour vraiment stimuler l'instinct et l'excitation qu'il y a sur le moment pour vraiment lâcher totalement prise. Et ça donne des résultats assez intéressants. Donc ces personnes-là ne vont pas forcément préparer en amont, vont justement s'enlever toute idée de la tête, vont faire un vide total pour pas penser forcément aux couleurs qu'ils vont utiliser, aux différents matériaux, etc., etc. Après, vous avez une autre catégorie d'artistes qui vont, eux, être plus sur la réflexion en amont d'un tableau. On va dire, moi, pour 80% des tableaux que je réalise, c'est ce qui se passe, c'est que je vais privilégier une réflexion en amont. C'est-à-dire, même parfois, je peux passer plus de temps à la réflexion qu'à la création. C'est-à-dire que je vais commencer à penser à certaines couleurs, comment créer une harmonie entre ces couleurs-là pour que ça fonctionne bien. Et puis après, je vais penser aux formes, aux tonalités, à la saturation, à plein de choses. Mais je vais vraiment même commencer à gribouiller des choses. Mais généralement, il y a surtout, moi, ce que je vais privilégier, c'est une grosse réflexion sur les couleurs. C'est vraiment ce que je préfère et que je trouve le plus important, c'est le choix des couleurs. Donc en amont, je vais vraiment réfléchir à ce niveau-là. Après, par contre, vous pouvez être encore dans une catégorie où vous êtes à mi-chemin, c'est-à-dire que vous allez créer une œuvre qui est, et ça m'arrive aussi souvent, une œuvre qui va être réfléchie en amont, sur laquelle vous savez à peu près où vous allez, et puis, en fonction de ce qui se passe pendant la création, vous allez vous laisser aller et vous allez glisser vers une autre création. Alors, ça peut créer des bonnes comme des mauvaises surprises, mais par contre, c'est très agréable. Il y a une sorte, un sentiment d'excitation quand ça arrive. Vous vous rendez compte que vous glissez vers autre chose, mais sûrement parce que vous avez une idée qui est intéressante et encore plus intéressante que l'idée de départ. Et donc ça vous permet des fois de glisser vers un tableau qui n'était pas prévu avec des nouvelles couleurs, des nouvelles formes ou quelque chose parfois qui peut être totalement différent de ce que vous avez fait au départ. Pour résumer, je pense que toutes les méthodes sont bonnes à prendre, chacun a sa façon de faire et vous verrez que quand vous aurez trouvé votre truc à vous, vous allez justement adhérer plus à une version ou à une autre. Soit vous allez être plus dans l'instinct et justement vous allez lâcher totalement prise et enlever peut-être toutes les phases en amont de réflexion, de recherche, d'idées. Ou alors justement, vous allez faire partie de ceux qui ont besoin de tout cadrer avant de se lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez en dessous de la vidéo sur le pouce bleu. Ça serait vraiment sympa de votre part. Et n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne en cliquant sur le lien abonné et la petite cloche qui est juste sur la droite. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je fais la peinture abstraite depuis quelques années. Si vous souhaitez vous lancer, je vous propose de télécharger gratuitement mon guide pour le guide du matériel pour la peinture abstraite. C'est un guide de 20 pages en PDF qui a téléchargé. Je vous mets le lien ici. C'est totalement gratuit. Et vous pouvez aussi découvrir tous mes articles qui sont sur mon blog qui pourront vous aider à vous lancer dans la peinture acrylique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.